No, Jesus says nobody can say no. When Jesus says nobody can say no. When Jesus says nobody can say no. When Jesus says nobody can say no. Ananiona Ananiona Fetilanda, Tila, and Zambito, ya Satana, Tola, tu enda vavanda, Hallelujah, 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 hallelujah,
J'ai des pieds, ok. J'ai des pieds. Ah. J'ai des pieds. Ah, ok. Asimima, yes, I keep it. Asimima,
Ceux qui étaient debout peuvent s'asseoir. Ceux qui étaient assis, mettez-vous debout. Merci. Ceux qui étaient debout, mettez-vous assis. Ceux qui étaient assis, mettez-vous. Entonnez votre louange, vous dansez, on attend. Regardez comment ils vont danser. Ceux qui étaient assis, entonnez votre louange, commencez à danser. Et nous qui étions debout, on vous regarde comment vous allez louer. Amen. Est-ce que tu peux passer un bonsoir à celui qui est à côté de toi? Dis-lui, je suis content. Je suis content de te voir. Est-ce que tu peux bien dire, je suis content de te voir? Merci, je suis content aussi de te voir. Tu n'as pas passé un bon bonsoir? Ok. Que tous les papas viennent de mon côté. Tous les papas venaient devant. Tous les papas. Tous ceux qui sont papas dans la salle. 8 mars, journée interne. Oh, vous n'êtes pas les papas. Photographe, toi tu n'es pas papa. On est devant le corps de papa. Tous les papas venaient devant. Tous les... ouais, toi aussi tu es papa. Preston. Papa, futur papa. Preston. Preston, futur papa. Tous les papas. Mais vous choisissez un côté. Il y a aussi les côtés ici, non? Tous les papas. Ah, vous avez caché mon papa. Vous n'avez pas peur de cacher un grand homme comme ça. Ok. Que tous les papas qui sont devant aillent saluer toutes les mamans parce que c'est le jour des fêtes. Allez-y, saluer tous les mamans. L'une après l'autre, allez. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête, 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 bonne fête des mamans, bonne fête, salut, bonne fête, salut toutes les mamans, celui qui n'a pas salué, retenez le visage de ceux qui vous saluent, les mamans, retenez le visage, celui qui ne vous a pas salué, toutes les mamans, bonne fête, même les mamans qui vont le baigner. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Saluez toutes les mamans, même celles qui viennent d'arriver, saluez toutes les mamans. Bonne fête, même la sœur Bijou qui vient d'arriver, saluez la bonne fête. Bonne fête à toutes les mamans, saluez toutes les mamans. Saluez toutes les mamans, même ceux qui sont restés à la maison. Saluez la sœur Bijou qui vient d'arriver. Bonne fête. Bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Ce n'est qu'à l'église qu'on peut faire ça. Bonne fête. Bonne fête. On ne salue pas les hommes, on salue les femmes. Bonne fête. Hein? Bonne fête. Vous avez oublié la sœur Bijou qui vient d'arriver. Bonne fête. Même les mamans des beignets. Bonne fête. Amen. Maman, bonne fête à vous les femmes. Vous êtes uniques. Vous êtes merveilleuse. Vous êtes magnifique. Vous êtes toute belle. Les mamans porteuses de vie. C'est vous qui nous avez accouchés. C'est vrai, n'est-ce pas, papa? N'est-ce pas, c'est vrai. Papa a dit, c'est vrai. Amen. Alors, le papa, on va élever nos mains et on va bénir les mamans. Nous allons les bénir. Toutes les bonnes paroles qui viennent dans vos cœurs. Bénissons les mamans. Allons-y, faisons-les ensemble.
Allons-y, les papas. Bénissez toutes ces mamans, toutes les femmes. Allons-y ensemble. J'entends pas ta voix et ta prière. J'entends ta prière. Au nom de Jésus, les porteuses de vie, nos mamans, j'entends pas la voix des papas, les papas. Je vais entendre la voix basse de papa. Alléluia. Bénis, Seigneur. Bénis les mamans, oh Dieu. Bénis, Seigneur Jésus, les mamans. Bénis les mamans. J'entends ta voix, bien-aimé, lève bien la voix. Yes. Les éducatrices de la société. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les femmes qui sont ici. Le cœur que Dieu a donné à une femme n'a pas donné cela à un homme. Que ce cœur unique reste toujours enrichi au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Que les femmes d'Assite, les mamans chrétiennes du monde, restent toujours accrochées à Jésus. Afin que vos lampes restent toujours allumées par le Saint-Esprit. Pour pas seulement porter la vie physique, mais porter aussi la vie spirituelle. Vous accouchez les humains, que vous puissiez aussi le faire sur le plan spirituel. Au nom de Jésus. Que Dieu récompense chaque maman selon son degré d'intimité avec Christ au nom de Jésus. Et que Dieu bénisse toutes les femmes en ce jour spécial pour les femmes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui a acclamé bien le Seigneur Jésus. C'est pour Jésus qu'on acclame, qu'il a fait bien, mieux, bien. Acclame encore plus mieux que ce que tu as fait. Lorsque nous acclamons Jésus, nous on se met debout. On élève les mains, on fait ça comme ça. Parce qu'il est en haut, il est élevé. Et en plus que c'est sans son programme. Allons-y, acclamons Jésus. Il est au-dessus. Acclamons très bien pour le Seigneur Jésus. Tu le fais bien, tu peux le faire encore mieux que ce que tu fais là. Allons-y. Est-ce que tu peux ajouter les cris de joie, la joie dans les mots? Allons-y pour Christ Jésus. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas très bien dit Amen. J'aimerais que tu élèves juste ta main droite en inclinant ta tête et confie encore la Turquie à l'entremets du Seigneur. Au soleil levant, mon cœur attend. De toi l'identité royale, je voudrais briller comme toi, soleil. Oh, oh, soleil levant, mon cœur attend. De toi l'identité royale, je voudrais briller comme toi, soleil. Au soleil. Lumière de Dieu répand sur moi. Les rayons de tes éclats. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, 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 répand la gloire de Dieu. Si mon âme, je vais vivre. Le royaume de Dieu en moi, ou au soleil. Soleil levant, soleil levant. Viens faire germer. Viens faire germer ces grains d'amour. Du profond de tout mon être. Du profond de tout mon teint. Imprimez la vie de Dieu. Imprimez la vie de Dieu en moi. Oh, pour que je vive le ciel.
pour que je vive le ciel. Sur la terre. Sur la terre, je vais vivre. Comme un prince qui voit la gloire du roi. Comme un prince qui voit la gloire du roi. Ô Seigneur, levant. Ô soleil, levant mon cœur à temps. De toi l'identité royale, je voudrais briller comme toi, soleil. Quel est rayon? Quel éclat de tes rayons m'embrasse. Au contact de ta majesté, je n'attends que tes ressemblés, soleil. Au soleil, levant mon cœur à temps. Au soleil, levant mon cœur à temps. De toi l'identité royale. L'identité royale, je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrasse. Que l'éclat de tes rayons m'embrasse. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Mon Seigneur, viens faire rêver tes grandes voix. Nous voulons, Seigneur, que même ce pays, cette nation, puisse te revenir, Seigneur Jésus. Que le trône de Jésus soit élevé dans cette nation. C'est ce que nous voulons aussi, Seigneur. Par le fait que nous te connaissons et te proclamons à ceux qui ne te connaissent pas. Par le fait que nous t'écoutons et nous t'obéissons, Seigneur Jésus. Et nous montrons aux autres comment on écoute et on obéit à Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu sois au-dessus de tout dans tout ce que nous faisons, dans tout ce qui est à nous, afin que les autres puissent voir comment tu es élevé au-dessus de tout et qu'ils puissent se poser des questions et aussi t'accepter, Seigneur, te connaître, t'écouter et t'élever à leur tour, Jésus. Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous, nous voulons être un peuple qui t'adore. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Seigneur. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration. Notre intimité, Seigneur. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller notre intimité, Seigneur. Seigneur Jésus, ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous, nous voulons être un peuple qui t'adore. Fais lever l'étendard. Fais lever l'étendard de ton nom au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Seigneur. Viens inscrire ton nom dans les annales. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, par lesquelles tu feras lever ta gloire. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller notre intimité, Seigneur. Et que l'hymne de la Turquie. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller notre intimité, soleil. Jésus, que lorsqu'on chantera désormais l'hymne de la Turquie, qu'il soit mentionné le nom de Jésus pour montrer réellement que la Turquie t'appartient. Les nations de la terre sont à l'éternel. Le peuple et le royaume de la terre sont à l'éternel. Alléluia. Oh Jésus, t'élévons. Et te célébrons. Alléluia. Viens prendre la première place. Est-ce que tu peux traduire cette chanson par ta prière en faveur de ce pays, en faveur de cette nation? Bienvenue.
Je vais entendre un, deux, trois mots en faveur de la Turquie en relation avec Jésus et notre thème. Jésus, nous te voulons dans ce pays. Nous demandons cette nation à Christ. La Turquie pour Jésus. Cette nation pour Jésus. Le cœur des Turcs à Jésus. Le cœur des autorités à Jésus. Jésus. La voix qui t'a donné, c'est pour prier. Apaisse le mal au babo le banaye. Mon bon apaisse le babo le banaye. Bimisa mal au babo le banaye. Vas-y. Éclaire, Seigneur Jésus, les dirigeants de ces pays. Éclaire, Seigneur Jésus, les nations, Seigneur Jésus, le peuple de ces pays. Seigneur, viens prendre les contrôles. Viens prendre la place du roi, Seigneur. Établis ton règne dans cette nation, dans le nom de Jésus. Nous t'implorons, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans cette nation de la Turquie. Viens. Est-ce que tu peux le faire? Tu peux exprimer cette prière. Viens régner, Jésus. Établis, Seigneur Jésus, ton trône ici. Établis, Seigneur Jésus, ton trône en cette nation. Viens diriger, Seigneur, ces pays. Que le nom de Jésus règne, Seigneur Jésus. Que le nom de Jésus règne, Seigneur Jésus, dans cette nation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les ayoyo, les abalesa. Les ayoyo, les abalesa. Oh, les ayoyo, les abalesa, les ayoyo. Oh, bonheur.
lesa. Lesa yo yo lesa lesa. Oh yo soto mwa mali bela na mite mana biso. Lesa yo yo lesa lesa. Kisa bo kondina yesu na esika oh yo. Lesa yo yo lesa yo yo yo. Lesa yo yo yo. Lesa yo yo yo. Lesa yo yo yo. Ya balesa wa balesa. I balesa wa balesa. Balesa wa balesa. Ya balesa wa balesa. Ya balesa wa balesa. Ya balesa wa balesa. Balesa wa balesa. Ya balesa wa balesa. Balesa wa balesa. Ya balesa wa balesa. Balesa wa balesa. Balesa wa balesa. Balesa yo yo yo. Balesa yo yo yo. Balesa yo yo yo. Balesa yo yo yo. On se met debout, on va acclamer le Seigneur Jésus. Allons-y. Acclame le Seigneur. Merci. Nous acclamons le Seigneur. Merci la chorale. Que Dieu vous bénisse. Nous avons le privilège ce soir encore de recevoir notre papa. Il vient de Lubumbashi. Là, on voulait un peu lui remouer le sang du Katanga pour qu'il soit à l'aise aussi, qu'il sache que la Turquie aussi aime le Katanga. Acclamons le Seigneur pendant que nous appelons et on verra passer les traces. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour le groupe de louanges. Il faut avouer que quand nous visitons l'Occident, les pays soi-disant un peu avancés par rapport à nous autres, souvent je suis déçu de la louange. Mais ici chez vous, je me retrouve. Je me retrouve, hein, vous voyez. Hein, c'est bien. Hein, vous, c'est vrai que vous êtes resté vous-même. Parce que par moments, on est mal à l'aise, on est dans un culte. Bon, en fait, je ne suis pas en train de parler des races ici, mais il y a une réalité. Nous sommes, dans la plupart des cas ici, des Africains. Camerounais, Congolais, je ne sais pas, mais nous sommes d'abord Burkinabés, nous sommes d'abord des Africains. Et en tant qu'Africains, nous avons notre manière de chanter et même de louer. Mais ça m'étonne souvent quand les Africains arrivent dans des milieux occidentalisés, ils changent tout. Donc même en chantant, on devient mou, on allonge le cou. C'est pas nous. Africains, c'est pas comme ça. Africains, c'est du sang chaud. Hein, on bouge. On y va avec tout son cœur. N'arrêtez pas cette manière ici. N'arrêtez pas. Vous voyez? Amen. Ouais, puisque dans les cultes français, vous ne verrez jamais des Français commencer à chanter comme nous. Ils le font en tant que Français, avec leur culture, avec leur manière. Bon, ils restent dans ce qu'ils sont. Il n'y a que nous qui voulons aller prendre n'importe où et puis finalement nous ne sommes plus même nous-mêmes. Il faut éviter ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons introduit hier notre enseignement qui porte sur que Jésus-Christ soit élevé dans ou en Turquie ou dans la Turquie. Amen. Voilà. Alors, hier nous avons commencé avec trois grands souhaits de Dieu. Quand Dieu a amené Jésus-Christ sur la terre, il avait exprimer au moins trois grandes volontés, ou bien trois grandes intentions, ou bien trois grands désirs. Le tout premier, c'est que Dieu a dit que Jésus-Christ doit être connu. Puisque dans la Bible, il est écrit, l'œuvre de Dieu, c'est qu'il te connaisse, toi, ô vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé.
Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu tient à ce que toute personne vivant sur la terre puisse d'abord connaître Jésus-Christ. La deuxième intention ou le deuxième désir de Dieu, c'est que Dieu a voulu que tout le monde puisse écouter Jésus-Christ de Nazareth. C'est malheureux que de passer toute sa vie sur la terre sans écouter Jésus. Et d'ailleurs, tous ceux-là qui font cela ou qui ont fait cela ont fini très mal. La Bible dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. N'écoutez pas Moïse, n'écoutez pas Élie. Écoutez-le. Et le troisième désir de Dieu, c'est que Jésus-Christ soit élevé. Et ça, ça nous concerne. Puisque c'est le thème de ce marathon. Si on a organisé ce marathon, c'est uniquement dans le but d'élever Jésus-Christ en Turquie. Savez-vous que c'est en Turquie pour la première fois qu'on a appelé les croyants chrétiens? C'est en Turquie, ici où nous sommes avec vous. C'est vous dire combien les apôtres, à leur époque, avaient fait un bon boulot. Ils ont tellement bien travaillé que la Turquie de l'époque a reconnu la seigneurie de Jésus et a reconnu la vie de Christ dans chaque personne de l'époque. Et on les a surnommés les chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes dans la même Turquie, mais où le mot chrétien a totalement disparu. Les anciennes cathédrales où on louait le nom de Dieu sont transformées chaque jour en mosquées. Les hauts lieux de la chrétienté, Antioche, c'est ici où Paul a tenu des grands discours, des discours qui ont révolutionné la vie chrétienne en général. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent en Turquie qui ne connaissent rien de Jésus, qui ne peuvent même pas parler en termes de spiritualité divine du côté de Jésus. Puisque il y a plusieurs dieux. Mais je parle de la spiritualité du côté de Jésus. Et pourtant, en Turquie, il y a des chrétiens. Beaucoup même. Mais qu'est-ce qui fait que jusque-là, le christianisme est en train de se diluer en Turquie? La raison est simple. On n'a pas élevé suffisamment le nom de Jésus. Et à l'époque, il y avait combien de chrétiens qui avaient révolutionné la ville ou le pays ou le territoire de Turquie à l'époque? Je ne crois pas que le nombre de chrétiens qu'il y a ici en Turquie était le même qu'à l'époque. Les chrétiens étaient moins nombreux. Ils n'étaient pas aussi nombreux qu'ils le sont aujourd'hui. Mais ils ont fait un impact. C'était tellement un impact terrible que ça a obligé tous les Turcs de l'époque de les surnommer. Ça, ce sont des chrétiens. Les petits Christ. Les gens qui suivent Christ. Qui ont la vie de Christ. Ce surnom est venu des Turcs païens. Des gens hors l'église. C'est vous dire combien nous devons travailler. C'est pourquoi moi ça m'étonne et ça m'agace, parfois ça m'énerve et j'ai le droit. Quand je vois des hommes de Dieu dire, hey,
Vous savez, nous devons laisser les traces dans ce monde. Nous devons laisser les ce qu'ils appellent traces là. C'est toujours en termes des habits, des maisons. Mais si je leur pose la question, Jésus lui-même, le chef de notre foi, il a laissé quelles traces en vos termes là, dans vos termes? Je sais qu'il a laissé des traces, mais qui n'ont rien à voir avec ce que les pasteurs appellent traces aujourd'hui. Ce qu'on appelle traces, c'est de laisser des immeubles, ce qui n'est pas un péché. Mais je me demande si c'était ça, Jésus allait laisser beaucoup d'immeubles. Si c'était ça. Et dans tout ça, vous allez comprendre pourquoi, quand je vais cheminer avec mon enseignement, pourquoi il y a une telle déviation. On nous dit que non, le pasteur Ezra, il est contre la prospérité, il est contre ceci, lui il s'attaque à tout. Suis-je devenu fou moi? N'ai-je pas besoin de manger comme tout le monde? N'ai-je pas besoin d'avoir une femme qui, quand elle est en train d'attendre famille, qu'elle aille mettre au monde, même en Belgique, tout en étant en Afrique? N'ai-je pas besoin de toutes ces choses-là? Est-ce que je suis le seul à envier que mes enfants fréquentent de belles écoles comme les écoles américaines, françaises en Afrique? Nous avons tous ces ambitions. Ce n'est pas ça mon objectif. Mais le problème, c'est que toutes ces choses-là que nous cherchons, nous les obtenons comment? Dans la plupart des cas, ce sont des magouilles. Si vous croyez dans tous les témoignages que les chrétiens donnent, vous êtes un enfant. Moi, je suis dans ce milieu-là. Je suis dans le milieu des pasteurs. Je suis dans le milieu des hommes de Dieu. Je vis avec eux, ils vivent avec moi. Je connais beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la Bible, hein, mais qui sont très prioritaires dans l'église d'aujourd'hui. On fait même autour de ça des conventions. C'est comme ça que les gens n'hésitent pas pour dire: mon sujet, c'est les 5 secrets pour aller à Dubaï. Quelle folie! Et les gens suivent un enseignement pendant une semaine, les 5 secrets pour aller à Dubaï. Pendant que les danseuses de Kofi Olomide, ils vont sans séminaire. Et parfois, ils y vont nus, sans aucun respect des anges ou des dieux. Mais c'est ce que vous prenez pendant 70 jours. Grand séminaire d'ouverture. Et quelle ouverture sur Dubaï. Et ceux-là qui sont à Dubaï, qui sont nés là-bas, dont le pays leur appartient, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'il faut leur donner encore? Je ne sais pas. Remarquez, il y a des choses qui font mal au cœur. C'est quand j'étais dans une convention, un prédicateur est en train de prêcher. Vous allez voir à quel niveau l'église est allée bas. Le prédicateur qui prêche, qui dit, écoute, tu as grandi, tu es né à Lubumbashi, tu as grandi à Kamalondo, tu t'es marié à Kamalondo, tu as fait ton premier enfant à Kamalondo, tu as trouvé ton emploi à Kamalondo. Quand est-ce que tu iras aux États-Unis? Les États-Unis ont été faits pour qui? J'étais là au fond. Je lui ai répondu, pour les Américains. Il faut voir comment l'homme s'est dérouté. Il ne s'attendait pas à une telle réaction. Parce que tout le monde le respectait, le pasteur prospère de la ville. Moi, j'étais là au fond. Il nous pose la question, il faut répondre. Il dit, tu es né à Kamalondo, tu as grandi à Kamalondo, tu t'es marié à Kamalondo. Les États-Unis ont été faits pour qui? J'étais là au fond, j'ai dit, pour les Américains. L'homme a été dérangé. Il dit, qui répond? On lui dit, c'est le pasteur Ezra. Il va ajouter quoi, puisque je l'ai vu venir à la fois? Qu'est-ce qu'il va dire sur moi? Seulement quand il sort, il dit, avion, on a bien dérouté un mabé. Parce qu'on pose ça une question bonne, hein? À une question mérite une réponse. Mes amis, faisons attention. Et j'aimerais vous dire, ça, les gens qui m'ont connu, ils savent que je ne prêchais pas ce que je prêche aujourd'hui. Parce que dans la plupart des cas, les gens pensent que j'ai commencé à prêcher comme ça, du coup, quand je me suis lancé dans le ministère. Non. Nous tous, on a eu des petits temps là,
des folies comme prédicateur. Nous tous, on est passé par là. Un peu de ruse dans la prédication. Vous ne voyez rien, mais vous frappez les mains, vous fermez l'œil et vous dites, merci Seigneur. Les gens croient que le pasteur a vu quelque chose. Je n'ai rien vu. Rien que la ruse. Nous étions dans ça. Je ne nie pas. Au début de mon ministère, des petites ruses comme ça m'ont envahi. Pourquoi? Parce que ceux-là que j'avais trouvés à l'époque, ils étaient aussi comme ça. Peut-être Dieu m'a préservé de ne pas aller loin, trop loin dans les bêtises. Mais des petites ruses, des prédicateurs un peu prétentieux, ambitieux, ça m'a touché. C'est avec le temps que le Seigneur m'a dit, Esdras, si tu continues sur cette route, tu en auras pour ton compte. Et c'est après avoir suivi un grand prédicateur à qui j'ai rendu hommage, le grand Samuel Obaker Nji. Cet homme est venu dans les années 80 au Katanga. Il prêchait sur « Oh, homme, où es-tu ?» C'était ma première fois dans ma vie de voir quelqu'un qui fait un séminaire d'un mois, jour pour jour, sans notes, sans carnet, mais un enseignement bien structuré, avec des points. Je me suis dit d'abord, il a quelle capacité? Et puis pendant un mois, il ne s'est pas répété, même pour une minute. Ô homme, où es-tu? Et puis chaque jour, une nouvelle matière est cohérente. Du premier au 30. Et il prenait la parole à 16 heures. Il nous lâchait à 22 heures. Imaginez-vous, sans notes. Et personne ne bougeait. Moi, à l'époque, je pensais que j'étais prédicateur. Mais devant cet homme-là, je me suis retrouvé un pécheur commençant la vie chrétienne. C'est cet homme-là qui a été à la base de la révolution de mon ministère. D'ailleurs, Dieu attaquait déjà mon cœur. Il me faisait voir que Esdras, je ne suis pas d'accord avec toi. Les choses que tu enseignes, dans la plupart des cas, je ne me retrouve pas. Ça apparaît chrétien à la bouche. Mais tu sais que moi, Dieu, tu sais que dans ton cœur là, tu fais beaucoup de choses pour toi-même, pas pour moi. Et avec l'arrivée du Camerounais, j'étais bouleversé, je vous dis. Et depuis ce jour-là, j'avais pris la décision de chercher Dieu dans la prière. J'ai pleuré comme un cochon. J'ai bavé, j'ai demandé pardon. J'ai dit à Dieu, je ne ferai plus du prédicateur show, du prédicateur spectacle, du prédicateur vedette. Fini, Seigneur. Laisse-moi prêcher l'évangile. Quoi qu'il en soit, je vais prêcher. Laisse-moi prêcher. Au début, ça n'a pas été facile. Hein. D'abord, les vieux amis avec qui nous étions dans la barque de la ruse, de la mafia, ont été les premiers à commencer le combat. Tu te prends pour qui? Tu crois que d'ailleurs, la plupart des choses que tu dénonces, nous les avons fait ensemble. J'ai dit oui. Vous voulez que je vous dise quoi? J'étais bête comme vous. J'ai fait ça. La ruse, je l'ai pratiquée. Faire parfois certaines choses pour attirer la sympathie des chrétiens, je l'ai fait. Je ne le ferai plus. Et je ne crois pas que je suis arrivé, mais rassurez-vous, je suis déterminé à aller dans la tombe comme ça. Et Jésus, écoute-moi, tu me tiendras, je sais que tu m'as tenu, tu me tiendras. Alors,
pourquoi Dieu demande à ce que nous puissions élever Jésus. Quelles sont les raisons profondes de l'élévation du nom de Jésus, non seulement ici en Turquie, mais partout, partout. Pourquoi devons-nous élever le nom de Jésus? Il y a des raisons. Même toi, tu peux te poser la question. Mais pourquoi cette année, le pasteur David n'a pas organisé un marathon avec des thèmes tels que « Cette fois-ci, c'est ton tour. » Nous voulons bien des choses comme ça. Non. Dieu lui a dit que Jésus-Christ soit élevé en Turquie. Alors tu peux te poser la question, pourquoi Dieu demande à ce que tous les chrétiens du monde, où qu'ils soient, qu'ils élèvent le nom de Jésus? Il y a des raisons. Première grande raison, pourquoi devons-nous élever le nom de Jésus? Nous trouvons la première raison dans Jean chapitre 3, verset 4, qu'on lise. Pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour honorer la première lecture. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Vraiment, nous sommes dans Jean, chapitre 3, verset 4. Non, 14, c'est peut-être moi, je ne me souviens pas, ou toi. Quelqu'un a commis l'erreur entre nous deux. C'est 14. Jean, chapitre 14. 3, 14. Ok, je lis au nom de Jésus. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut. Il faut. Oh, c'est un impératif. Il y a l'ordre là-dedans. Il faut quoi? De même que le il fils de l'homme. Il faut que de même aussi que le fils de l'homme soit élevé. Voilà. C'est ça la première raison, mettez-vous. Nous devons élever Jésus-Christ. Pourquoi? Puisque c'est l'ordre de Dieu lui-même. Écrivez ça. C'est le commandement de Dieu. Ce n'est pas une simple volonté de votre pasteur. Dans cette affaire, ni le pasteur David, ni le pasteur Esdras n'y sont. Dans cette affaire, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi toi, tu es dans l'obligation, je dis bien l'obligation, d'élever Jésus. Ce n'est pas une affaire de l'église à site. Non, non. Ce n'est même pas le problème du pasteur Esdras qu'on a invité. Non. C'est d'abord le commandement de Dieu. Or, à un commandement, on obéit. Amen. On ne discute pas. Ça ne se négocie pas. Ce n'est pas facultatif. Oh non, moi je suis seulement chrétien. Moi je viens pour prier et puis je sors. Moi je n'aime pas de... Non, tu dois élever Jésus. Ah, vous savez pourquoi moi je n'aime pas entrer trop dans le système. Ils appellent ça système et pourtant c'est une église. C'est pourquoi tu m'as déjà vu moi. Moi quand je vais à l'église, je me mets, je prie et puis je sors, je pars. Le reste, ça ne me concerne. Non, non, ça te concerne. Amen. Nous devons, toi et moi. Vous savez, pourquoi nos églises n'avancent pas? C'est parce que dans la tête de beaucoup de chrétiens, l'affaire d'élever Jésus là, c'est l'affaire du pasteur. Nous sommes là pour l'aider et puis pour être aidés. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent dans nos églises. Puisqu'il raisonne, il sait que d'un moment à l'autre, il peut avoir un deuil. Bon, s'il est au milieu uniquement des Turcs,
d'origine qui viendra l'aider. Autant que j'aille dans une église des Congolais, et là, bon, si j'ai un problème, ils vont m'aider. Et même quand tu es là, tu sais que tu es venu uniquement si, au cas où il y a un problème, nous allons t'aider. Alors quand quelqu'un est comme ça, vous pensez que l'affaire d'élévation de Jésus là va le préoccuper? Non. Pour lui, il n'est que dans les cotisations. Quand on annonce que le président va venir en Turquie, voilà, Oyoki, hein, token de l'aéroport, voilà, il est là. Nous irons à l'aéroport. Non, voilà, pour se distribuer quelques miettes là. Encore une misère. Et souvent, vous allez comme ça, vous devez attendre ces autorités-là de 6 heures jusqu'à 3 heures du matin. Vous ne dormez pas puisque tout dépend de lui, pas de vous. C'est encore là une maladie que vous ne me verrez jamais, moi, faire des choses comme ça. Les gens peuvent m'appeler orgueilleux, je m'en fous. Je suis tout simplement Esdras. Esdras, on ne le mate pas. Esdras, on ne l'exploite pas. Le diable lui-même a des problèmes pour m'exploiter, seulement un homme. Lui-même, le diable, là, avec toute sa cohorte, là, il est incapable, grâce à Jésus, il est incapable de me mater. Seulement une petite fille. Non, non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Élevons le nom de Jésus, mes amis. C'est un ordre. Chaque élève ici, là où il est, là où elle est, doit élever Jésus. Dans votre école là, il faut qu'on sente qu'il y a une élève, qu'il y a un élève qui prie Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est un ordre. Vous tous, partout où vous travaillez, vous devez élever Jésus. Il n'est pas question de dire je ne suis pas évangéliste. Non. C'est vrai que tu n'es pas évangéliste. Mais on n'élève pas le nom de Jésus en prêchant seulement. On va voir ça. Comment élever le nom de Jésus. On va voir. Il y a beaucoup de moyens. Ne pensez pas seulement à la prédication comme beaucoup de gens pensent qu'on élève le nom de Jésus seulement en prêchant. D'ailleurs, il y a des moyens plus efficaces parfois, plus que la prédication. C'est la raison pour laquelle Pierre a dit, vous femmes, ayez une bonne conduite. Puisque par votre conduite, vous pouvez gagner votre mari, même sans parole. C'est Pierre qui l'a dit. Yes. Il y a moyen d'élever Jésus sans parole. Yes, papa. Sans parole. Ce n'est pas comme nous croyons, les Congolais, que quand vous voulez parler, pour élever Jésus, il faut toujours parler de Jésus. Oh, yes, yes. Non, ce n'est pas seulement ça. Je suis équilibré, mes amis. Amen. Je connais la place de la prédication. Je connais. Mais je connais la place aussi des autres choses qui font l'élévation de Jésus. Deuxième raison. Pourquoi doit-on élever le nom de Jésus? Et ici, il y a à boire et à manger. Je vous dis la vérité. Avant que je ne traite de la deuxième raison pour laquelle nous devons élever le nom de Jésus, je préfère d'abord qu'on nous lise. Puisque c'est la lecture qui va nous éclairer, qui va envoyer de la lumière dans notre esprit pour que nous comprenions la deuxième raison. Matthieu chapitre 12, versets 42 à 44. Ah, et comme on a un bon lecteur, je suis très content. Il lit bien. Amen. Il est même écouté en Afrique, les gens l'aiment, puisque j'ai eu des commentaires comme ça. Parce qu'il y a des gens, quand ils commencent à lire, ils se compliquent, on dirait qu'on est en train de l'ensorceler. Allons-y. Je lis au nom de Jésus. Mm-hmm. La reine du midi se lèvera au jour du jugement. Non, non, Matthieu 12, vous y êtes? Yes, 12. Verset 42 à 44. Hein? Oui. Ah bon, j'ai commencé un peu très haut. Vous, allez-y. Nous allons le retrouver. Mm-hmm. Okay. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Voilà. Lorsque l'esprit impur... Boyoka, écoutez très bien.
Hein? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, l'esprit impur est sorti du corps d'un homme, il va par des lieux arides. Il va dans les lieux arides, cherchant quoi? Cherchant du repos. Cherchant du repos. Maintenant, comme il n'en trouve pas, qu'est-ce qu'il dit? Il n'en trouve point. Alors il dit. Il dit quoi? Je retournerai dans ma maison. Je retournerai dans ma maison. C'est lui qu'on appelle maison là. C'est toi et moi. Les démons, hein? Ils nous appellent nous maison. Faites attention. D'où je suis sorti. Hein? Et quand il arrive. Maintenant, écoutez son comportement. Quand il arrive devant la maison, il la trouve comment? Il la trouve vide. Vide et balayée. Balayée, mais. Ornée. Ornée, mais. Et il s'en va. Ah non, non. Écoutez. Il y a, je crois que ça doit être Luc qui dit, mais non occupé. Il la trouve vide, balayée. Ornée, mais non occupée. Ah. Comme il y a non-occupation, il y a du vide. Quelle est la conséquence? La Bible dit, il s'en va. Il s'en va. Et il prend avec lui. Il prend avec lui. Sept autres esprits plus méchants que lui. Et ils font quoi? Ils entrent dans la maison. Et quelle est la condition? S'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Voilà. Pourquoi il faut élever le nom de Jésus? Écoutez la raison. C'est puisque partout où Jésus-Christ n'est pas élevé, c'est quelque chose d'autre qui sera élevé. Voilà. Comme on a trouvé la maison vide, non occupée, sans une présence dans le monde des esprits, il n'existe pas de vide. Vous devez comprendre comment tout. Quand je dis dans le monde des esprits, ce n'est pas seulement les esprits mauvais, non. Même les esprits bienveillants, les anges, les quatre êtres vivants, ce sont des esprits. Dans leur monde à eux, dès qu'il y a un vide, c'est l'esprit qui est prêt, qui va prendre la place. Quand Jésus-Christ n'est pas élevé quelque part, à partir du moment où ce n'est pas lui qui est élevé, il y aura toujours quelque chose d'autre qui va être élevé. C'est comme ça dans le monde. C'est pourquoi dans ta vie, si ce n'est pas Jésus qui est élevé, sois sûr d'une chose. Quelque chose d'autre sera élevé. Dans la vie de toute personne, il y a une élévation. Il y a toujours une élévation quelconque. Une élévation positive ou une élévation négative. Mais le problème, c'est qu'il n'y aura jamais de vide. C'est pourquoi, remarquez bien, quand quelqu'un n'a pas Jésus, il sent un vide. Comme dans sa vie, Jésus-Christ n'est pas élevé. Il y a une forme de vacuité, l'état du vide. On appelle ça en français vacuité. Il y a du néant, il y a du creux. Et comme il y a du creux, ça sera rempli par autre chose. Ne vous étonnez pas le nombre élevé des drogués qu'il y a en Turquie. C'est l'absence de l'élévation de Jésus qui explique ça. Toute personne a un vide. On ne le dit jamais. On cache. Vous voyez toutes ces célébrités ici. Demandez-vous, mes amis, qu'est-ce que Michael Jackson n'avait pas pour qu'il devienne esclave de la drogue? Qu'est-ce que Whitney, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom de cette fille-là, qui a commencé par la chorale et qui a fini comme l'équivalent d'Abeti Masikini des États-Unis? Whitney. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas? Les millions, elle en avait. Le sexe, elle pouvait le faire à n'importe quel moment. Il y avait même des garçons pour lui lécher les pieds.
Ce n'était pas son problème. Les relations, le président, elle avait tout. Mais demandez-vous, comment tous ces gens-là, si adulés, si respectés et même enviés par les chrétiens, combien de chrétiens rêvent un jour d'avoir la vie de Rihanna, par exemple? Elle est chrétienne, mais elle brûle d'envie d'être un jour comme Rihanna. Mais Rihanna, c'est quoi? Je n'ai pas l'intention de vouloir l'injurier, mais vu du ciel, c'est de la pourriture, au vrai sens du mot. Mais elles ont tous ces gens-là, ces personnes-là. Mais demandez-vous pourquoi elles sombrent dans la drogue. Pourquoi? Mais moi, bon, je raisonne comme un humain. Je ne suis pas, là, je ne suis pas prédicateur. Si j'ai la vie de Michael Jackson, par exemple, qu'ai-je à chercher encore? Parce que c'est tout ce que les humains cherchent. La gloire, il en avait. La notoriété, n'en parlons même pas. L'influence. Il y a même des pasteurs qui ont commencé à s'habiller comme Michael Jackson. C'est vous dire combien ce garçon a marqué son époque. Mais demandez-vous, pourquoi tout en étant si haut de la société, il était malheureux comme vous n'avez pas idée. Il buvait comme vous n'avez pas idée. Le problème, c'est que quand il y a un vide, Jésus-Christ n'est pas élevé. C'est autre chose qui sera élevé. Ah ouais? Refusez de donner votre vie à Jésus. Mais il y aura des choses qui vont s'élever dans votre vie. Vous pouvez être esclave de la porno. Il y a une pornographie animale où on vous fait faire des choses inimaginables. Des histoires inouïes. Il y a des gens même qui urinent dans votre bouche. Mais le lendemain, comme on vous a donné l'argent, vous mettez du make-up, des cabellos. Qui peut penser que cette fille a l'habitude de boire de l'urine de certains patrons turcs? Vous avez parlé de potapoti. C'est bien. Mais combien de gens vivent le potapoti? Je ne sais pas si j'aime bien prononcer, mais ça importe peu. Combien de gens vivent ces choses ici, en Turquie? Et quand les images là passaient à la télévision, vous n'aviez que des critiques telles que... Bon, pourquoi les gens les critiquent? Tu fais partie. Je vais... Ah, c'est bien. Je répète pour nos amis qui nous suivent en ligne. J'essaie d'interpréter ce que j'ai dit en lingala. Parfois, quand ces images de Dubaï passé, vous aviez l'habitude, pendant que les gens critiquent ces attitudes, vous vous disiez toujours, mais pourquoi on les condamne? Pourquoi ceci, cela? Puisque vous saviez que vous aussi, bien que vous n'avez pas été à Dubaï, mais vous le faites localement. C'est pourquoi avant de vous marier, ici, faites des enquêtes. Vous pouvez vous marier à quelqu'un qui a été femme d'un chien pendant 20 ans. Vous voyez ce que ça signifie? Quand vous vous mariez à une telle fille, vous êtes en quelque sorte rival d'un chien. Et c'est la raison pour laquelle quand vous vous mariez ici, dans la plupart des cas, après 6 mois, la femme commence à dire, il n'est rien. Il n'est rien par rapport à quoi? Aux expériences. Quelqu'un qui a fait la guerre de 60, à l'époque de Lumumba, il a fait la guerre de 80 jours à Kolwezi. Moba 1, Moba 2, Moba 3. Toi, un jeune militaire qui vient d'être formé, vous êtes obligé de vivre avec une ancienne combattante. Vous allez souffrir, hein? C'est pourquoi j'ai toujours conseillé que les anciens combattants se prennent entre eux. Ils connaissent les règles. Ils savent comment se cacher dans une tranchée. Ils savent comment éviter une bombe. Mais nous qui venons d'être formés aujourd'hui, au moindre coup, nous disparaissons puisque nous n'avons pas encore de réflexes militaires.
la nature et le monde des esprits, tous deux ont horreur du vide. Quand ce n'est pas Jésus-Christ qui est élevé, c'est quelque chose qui doit s'élever à la place de Jésus. Faites attention. C'est pourquoi élever Jésus est impératif. Ne me dites pas, non, moi ça ne me concerne pas, moi je n'aime pas vos profondeurs là. La plupart des gens qui vont trop loin avec les choses de Dieu finissent mal. Et la plupart des gens qui prennent la drogue finissent bien. Je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais vu un seul serviteur de Dieu depuis que je suis sur la terre qui arrive à la fin de sa vie et qui dit, appelez-moi un musicien célèbre ou bien appelez-moi un professeur célèbre. Je voudrais me repentir pour avoir été pasteur pendant 45 ans. Il faut que je lui avoue que ce n'était pas bien d'être pasteur. Mais par contre, tous ces gens ici que je vois, célébrités, professeurs d'université, présidents, à l'article de la mort, la première personne à appeler, c'est le pasteur. L'homme de Dieu. Appelez-moi un homme de Dieu, j'ai à dire. Mais vous n'entendrez jamais un vrai serviteur de Dieu, à l'article de sa mort, déclarer, non, appelez-moi un député, je voudrais me confesser avant de mourir. Et le député arrive, l'homme de Dieu commence à dire, je regrette d'avoir rencontré Jésus. J'ai servi Jésus pendant 50 ans. Une très mauvaise chose. J'ai peur maintenant là où je vais, Satan va me tuer. Jamais, jamais. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, nous mourons avec sourire. Tous les hommes de Dieu que moi j'ai accompagnés à la mort, parfois les gens s'étonnaient, tout le monde pleure, mais moi j'ai dansé puisque j'étais là quand il partait. J'ai entendu des paroles qu'il m'a dites. D'abord, très sûr de lui-même. Il y a l'un d'eux qui m'a dit, Ezra, tiens-moi la main. Je le tiens. Il dit, tu ne me verras plus. Mais sache que je ne veux pas répéter les prophéties qu'il a données, ça me concerne personnellement. Il m'a dit, dans ta vie, écoute, dis à ta femme, et il me lâche. Il fait ça. Il est parti. Mais quand c'est un païen, il sent. Vous savez pourquoi la plupart des cadavres des païens, quand vous allez à la morgue, vous les trouvez les yeux écarquillés, la bouche ouverte. C'est que son esprit veut partir. Lui ne veut pas. Maintenant, il meurt en luttant. Ah! Il part. D'abord, il n'est pas d'accord. C'est pourquoi il meurt. Vous êtes obligé de commencer à écraser son visage, à descendre les paupières. Et puis d'autres, parfois, c'est un seul œil qui ferme. Il a toujours besoin de vous regarder. Tellement il aimait le monde. Moi, je ne mourrai pas comme ça, je le dis tout haut. Le premier qui entend, c'est mon père lui-même. Et il est content pendant que je dis des choses comme ça. Le deuxième, c'est le monde des ténèbres. Ils savent que je ne mourrai pas comme ça. Ils le savent. Pourquoi? Puisque Jésus les empêche. Ils ne peuvent rien faire. Maintenant, le malheur, quand c'est quelque chose d'autre que Jésus qui est élevé dans ta vie, la première chose, c'est que on t'appellera sous l'identité de la chose qui est élevée dans ta vie. C'est ça la première conséquence. Hein? Lorsque c'est quelque chose d'autre, quelque chose qui n'a rien à voir avec Jésus, qui est élevé dans ta vie. Première conséquence, tu prendras l'identité de la chose qui est élevée dans ta vie. Et c'est possible que le monde entier commence à t'appeler sous le nom de la chose qui règne dans ta vie. Regardez dans la Bible. Cet enfant que vous appelez souvent quand vous prêchez là, tous les prédicateurs l'appellent l'enfant prodigue, l'enfant prodigue, l'enfant prodigue. Et c'est son nom.
Et c'est son nom. Puisqu'il est dans la Bible, on a cité le nom déjà. Quand Lazare était malade, on l'a appelé Lazare était malade. Mais pourquoi ce garçon-là, lorsque tout le monde veut faire référence à lui, il doit l'appeler l'enfant prodigue. Vous savez pourquoi? Tu porteras le nom que ta propre histoire te donnera. Faites attention. Il y a des gens, depuis l'Afrique, jusqu'ici en Turquie, elle a son nom. Elle s'appelle par exemple Marie. Mais quand les gens veulent parler d'elle, elles font toujours référence à ce qui règne dans sa vie. Il y a certaines femmes, pour l'identifier, il faut le dire. Est-ce que tu connais la femme qui avait mis au monde avec son papa? La Marie là, qui sortait avec le musicien de Zaïko Langalanga. Et pourtant tu es Marie. Mais pourquoi les gens ne veulent pas t'appeler du nom de Marie? Parce que c'est l'impudicité qui est élevée dans ta vie. Écoutez, cette femme-là qu'on appelle la femme à la perte du sang, est-ce que c'est ça son nom? Elle pouvait s'appeler peut-être Janine. Mais comme elle était juive, elle pouvait prendre le nom, par exemple, de Marthe ou de Naomi. Mais même Dieu lui-même, ça m'étonne. Hein? Il l'appelle la femme à la perte du sang. Comme s'il ne connaît pas son nom. Parce que c'est une règle. Tu prendras l'identité de la chose qui est élevée dans ta vie. La femme qu'on appelle là, la femme courbée. Car la Bible, la femme courbée. Est-ce que c'est ça son nom? Mais pourquoi on l'appelle la femme courbée? Puisque c'est la courbature qui était élevée. C'était tellement élevé qu'on a compté même le nombre d'années pendant lesquelles cette histoire est restée debout dans sa vie. 18 ans. Donc, et les esprits mauvais, et les humains, ils comptaient. Après une année, 1, 2, 3. Si Jésus-Christ n'était pas venu pour changer l'ordre des choses, on pouvait même arriver à 55. Hein? Heureusement, à la 18e année, Jésus-Christ vient arrêter les choses. Et écoutez comment il a arrêté avec une phrase révolutionnaire. Ne fallait-il pas que cette fille d'Abraham, que Satan tenait liée pendant 18 ans, soit délivrée le jour de sabbat? Voilà. Ne fallait-il pas que... Mais chez toi, aucune révolution. Avec votre phrase préférée, c'est peut-être la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut. Bon, qu'est-ce que moi je dois faire? J'ai grandi, je ne mets pas au monde. C'est peut-être. Il y en a qui disent, moi je ne peux pas forcer Dieu. Mais Jésus dit, ne fallait-il pas qu'une fille d'Abraham, que Satan tenait liée pendant 18 ans, soit délivrée le jour de sabbat? Pharisiens, qu'est-ce que vous pensez, vous? Et le même jour, elle a été délivrée. Chers serviteurs de Dieu, faites attention. Vous pouvez porter l'histoire de votre ministère. Depuis l'apparition d'Internet, il y a certains pasteurs au Congo. Si vous voulez faire recours à eux, il faut parler. Est-ce que tu connais les pasteurs là de Sextape? Voilà. Et comme les Congolais aiment le mot là, le pasteur qui a été moutakalisé, voilà. Pour nous, pour vous qui nous suivez, ce sont des pasteurs qui ont été exposés. Hein? Voilà, la nudité, des choses comme ça. Je n'aime pas que je finisse comme étant le pasteur qui a été moutakalisé. Ah, Jésus, je ne veux pas. Cher ange de Dieu, je ne veux pas. Et ma course comme étant Esdras de Dieu. Voilà. C'est tout ce qui me reste à faire. Troisième raison, pourquoi faut-il élever Jésus-Christ?
de Nazareth. Le Dieu vivant. Le redoutable Fils de Dieu. Pourquoi il faut l'élever? La troisième raison. Ça, pour gagner le temps, écrivez. Tout n'est pas à lire, mais écrivez seulement. 1 Samuel, chapitre 5, versets 3 à 5. Vous êtes prêts? 1 Samuel, chapitre 5. Vous y êtes? Revenons à nos moutons. Troisième raison. Pourquoi il faut élever le nom de Jésus? Suivez-moi très bien. Il faut élever le nom de Jésus. Puisque dans le monde des esprits, il y a une guerre perpétuelle d'élévation. Je vais m'expliquer. Parfois, je traîne comme ça pour permettre aux gens qui écrivent. Il y a des gens qui écrivent très lentement. Il y en a qui sont aussi très rapides. Alors, de temps à autre, quand je vois quelqu'un qui a encore les yeux dans son cahier, je comprends qu'il faut que je l'aide, que je cours à son rythme pour que son enseignement soit bien écrit dans son carnet. Pourquoi faut-il encore élever Jésus? Pourquoi Jésus ou Dieu nous demande d'élever Jésus, surtout ici en Turquie? Je répète, c'est puisque dans le monde des esprits, il y a une guerre terrible d'élévation. Remarquez, les enfants d'Israël, à l'époque, avaient comme symbole de la présence de Dieu l'arche de l'Alliance, ou appelée autrement arche de l'Éternel. Cette boîte-là, ou cette caisse-là, qu'on appelle arche de l'Éternel, était la symbolique de la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait donné les détails concernant l'érection de cette arche-là. Il y a des choses qu'il ne fallait pas faire, il y avait des choses qu'il fallait faire. Et à partir du moment où Moïse avait tout respecté, Dieu était descendu dans cette caisse-là. Et elle était devenue comme une caisse magique, bien que le mot magie n'est pas dans la spiritualité de Dieu. C'est un vocabulaire humain. Mais en même temps que l'arche symbolisait la présence de Dieu, les autres nations aussi avaient leurs objets à eux qui symbolisaient la présence de leur Dieu. Vous devez savoir que le symbolisme dans les choses spirituelles, c'est des deux côtés. Du côté de Dieu, il y a des choses qui symbolisent la présence de Dieu, la miséricorde de Dieu. Par exemple, quand on parle de l'eau dans la Bible, nous savons que ça symbolise souvent la parole de Dieu. Quand on parle du pain, nous savons que c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Mais du côté de Satan aussi, il y a des choses qui représentent la puissance de Satan. Maintenant, comme il y a toujours eu guerre entre les deux, partout où les deux se rencontrent, l'un doit s'élever au-dessus de l'autre. Et c'est le plus fort qui mate et qui écrase celui qui est faible. Retenez-le. Lorsque deux esprits se rencontrent, deux esprits contraires, c'est toujours l'esprit le plus fort qui gagne l'esprit le plus faible. Maintenant, écoutez ce que les Philistins ont fait comme erreur. Ils arrachent l'arche de l'Éternel entre les mains des Israélites.
Ils commettent l'erreur, ils vont mettre ça dans la chambre de leur dieu qu'on appelle Dagon. Parce que leur dieu était protégé dans une chambre. Et il était debout là des années et des années. Nous ne savons pas combien d'années Dagon a régné dans cette chambre. Mais il était debout et il dirigeait les Philistins. Et les Philistins croyaient en lui comme nous croyons en Jésus-Christ. Ils commettent l'erreur, ils amènent l'arche. Ils le mettent là. Et comme pour dire, le combat doit continuer, ils ferment la chambre. Dieu se retrouve face à face à Dagon. Or, dans leur monde là, quand deux esprits opposer ces rencontres. L'un doit s'élever pour écraser l'autre. Maintenant, entre Dagon et Dieu, le combat s'est engagé. Là, les hommes sont en train de dormir. Ils ne savent pas que Dagon souffre. Il a été battu toute la nuit pour finir, pour que le combat s'arrête. Hein. Dagon a été obligé d'aller s'agenouiller. S'est prosterné devant l'arche. Le matin, sans le vouloir, les Philistins sont devenus des arbitres. Ils ouvrent comme ça, ils trouvent Dagon prosterné, né contre le sol. Ils n'ont pas toléré ça. Ils ont dit, mais tu nous fais honte. Ils l'ont relevé. Dagon, sois quand même courageux, non? Ils l'ont déposé là-bas, face à face, avec l'arche de l'Éternel. Pendant que les Philistins étaient là, l'arche a un peu retenu ses ardeurs. Il dit, Bobi Manano, sortez de là, vous allez voir ce que je vais faire. Il ferme la chambre. Attaque! Cette fois-ci, ça a été brutal. Hein? Les deux bras coupés, les deux jambes coupées, le tronc devant là-bas. Et le matin, les Philistins ont dit, on l'a sorti. Les deux esprits, quand ils se rencontrent, retenez-le, partout deux esprits se rencontrent, deux esprits contraires, je ne parle pas des esprits de la même nature. Les esprits de la même nature, quand ils se rencontrent, ils s'entraident, se donnent du courage, ils travaillent ensemble. Je parle des esprits de nature contraire. Quand ils se rencontrent, c'est toujours une guerre. Il faut que l'un s'élève au-dessus de l'autre. C'est pourquoi il faut élever Jésus. Parce que si vous ne voulez pas élever Jésus, c'est un autre esprit qui va s'élever et qui va vous mater. Ce n'est pas facultatif. Oh non, biloko na etali ba pasteur David. Non, ça nous regarde tous. Vous ne voulez pas élever Jésus. Eh bien, nous sommes d'abord dans une terre musulmane. N'oubliez pas. Il y a des hôtels partout. Ça n'existe plus. Ça, c'est à l'époque de Paul, ça. Mais là, ce sont des mosquées. On fait des libations partout dans votre ville ici. On jette des histoires aux ancêtres dans votre ville ici. Alors vous, quand vous venez avec votre soi-disant Jésus, entre guillemets, vous aurez affaire à ces esprits-là. Entre vous et ces esprits, il y a des esprits qui vont chercher à s'élever et à vous mater. Allez-vous résister? Allez-vous subir? Allez-vous vous laisser faire? Si vous ne voulez pas, eh bien, élevez Jésus. Puisque c'est le seul moyen pour mater tout esprit que vous pouvez rencontrer. Il est dit à propos de Daniel, le roi troublé par ce qu'il avait vu, une main en train d'écrire là. Troublé, il savait. Sa maman vient lui dire, mon fils, je sais que tu es roi, mais tu n'as pas beaucoup d'expérience. À l'époque de ton père, il avait eu des visions. Des choses l'avaient compliqué. Ni les satrapes, ni les sages de notre pays, personne n'avait donné solution à ce problème. Mais, on est allé
allait chercher parmi les Hébreux un jeune homme qui avait l'intelligence de Dieu avec X, puisqu'elle parlait comme païenne. Et elle dit, car on trouva chez lui l'esprit supérieur. L'esprit supérieur. Daniel a piétiné, a écrasé tous les sages à cause d'un esprit supérieur. Un esprit supérieur était élevé en lui. Voilà. Vous n'avez pas ça, vous ne ferez rien en Turquie, vous ne ferez rien. Tout ce que vous allez dire, ça sera des slogans. Vous n'en faites pas, les chrétiens sont spécialistes des slogans. Même si quand ils sont affamés, ils mentent qu'ils ont mangé. Quand il est écrasé, dominé dans tous les compartiments de la vie, il n'a pas honte de dire, je vis la victoire de Jésus. J'en faisais partie. J'étais écrasé chaque nuit. Les femmes de nuit venaient coucher avec moi. Ils me laissaient dans un état déplorable, un état mesquin. Je me réveillais toujours malheureux, fatigué d'avoir pratiqué des relations sexuelles toute la nuit et pourtant pasteur. Et puis on m'appelait comment? L'éléphant de l'évangile. Alors que la nuit, fourmi de l'évangile. Je me réveillais fatigué, découragé. Et le comble dans tout ça, je vis un tel drame toute la nuit. Et le matin, la première personne qui se présente à moi, il vient avec des doléances telles que, papa, j'ai une femme de nuit, viens pour que tu pries pour moi. J'ai dit, voilà le problème. Lui-même ne sait pas que moi, je suis spécialiste en ça. Il demande à papa, alors que papa lui-même est écrasé. Voilà l'hypocrisie que je n'ai. C'est pourquoi je n'aime jamais fuir les réalités de ma vie spirituelle. Jamais. Parce que j'ai beaucoup pratiqué ça, ça m'a détruit. Dieu m'avait dit, ce qui vous tue, vous les chrétiens, vous êtes trop hypocrites. Vous souffrez, vous êtes pasteur, vous vous masturbez, vous ne voulez pas reconnaître. Vous êtes là seulement. Oh, hein, Jésus, nous sommes... Non, commencez là-bas. Traitez la masturbation comme vous devez la traiter. Vous serez libre. Vous voyez la personne qui vous parle ici? Moi, je n'ai pas... Écoutez, il n'y a aucun esprit de mari de nuit qui peut me résister, moi. Tu peux me dire pourquoi? Parce que moi, j'en avais là. Vraiment, le plus puissant, selon moi. Ça m'a tourmenté 10 ans. Comme pasteur, hein, pas comme chrétien. Comme l'homme de feu, entre guillemets. Mais la nuit, j'avais un autre feu que je vivais dans mes sommeils. Alors, je sais expliquer ces choses et je sais libérer déjà facilement. Parce que moi-même, j'en ai expérimenté. Je ne te parle pas des histoires. Hein. Je ne te parle pas des histoires. Je suis dans un monde du tac au tac. Comme les Quinois le disent. Je suis dans cet évangile-là. T'en fais pas. On y va doucement. Avant que je termine, tu vas voir comment la puissance de Dieu va s'occuper des esprits. Tu vas rester avec une histoire. Pourquoi devons-nous encore élever le nom de Jésus? C'est la quatrième raison. Quatrième, suivez-moi très bien. Qu'on nous lise. Actes des apôtres,
chapitre 4, versets 1 à 4. Actes des apôtres encore, 12 à 16. Je lis au nom de Jésus. Ouais. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 1 au verset 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple. Essayez d'hausser le ton. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple. Oui, qu'est-ce qui va se passer? Survinrent les sacrificateurs. Ouais. Les commandants du peuple, du temple. Uh-huh. Et les sadducéens. Uh-huh. Mécontents de ce qu'il enseignait le peuple. Et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Uh-huh. Ils mirent les mains sur eux. Mécontents de ce qu'ils annonçaient quoi? Mécontents de ce qu'ils annonçaient, qu'ils enseignaient le peuple en la personne de en Jésus. En la personne de Jésus. La résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Car c'était déjà le soir. Voilà. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Ils crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple. Allez dans Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 12 à 16. Allons-y. Chapitre 5, versets 12 à 16. Beaucoup de miracles et des prodiges beaucoup se faisaient. Beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient quoi? Au milieu du peuple par les mains des apôtres. Des apôtres. Et puis? Ils se tenaient tous ensemble aux pratiques, au portique de Salomon. Salomon. Et au camp des autres. Autres n'osaient se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on le plaçait sur des lits. Ça, c'est ce qu'on appelle le succès fulgurant des apôtres. Quatrième raison. Pourquoi faut-il élever Jésus? Mes amis, c'est puisque c'est la seule manière, c'est le seul moyen dans le monde pour attirer les foules vers l'église. Deux, pour attirer le respect de l'Église. Trois, pour mettre le monde d'accord sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut élever Jésus. Il faut élever Jésus pourquoi? Un, c'est le seul moyen pour attirer les âmes à l'Église. Les âmes ne viendront jamais si Jésus-Christ n'est pas élevé. Deux, pour attirer le respect de la société envers l'Église. Trois, pour mettre tout le monde d'accord. Écoutez, jamais un musulman n'acceptera que Jésus est Dieu tant qu'il n'a pas encore vu Jésus être élevé. Les apôtres sont allés loin. D'abord, la Bible dit ils enseignaient, ils prêchaient en brandissant un seul nom, le nom de Jésus. Ils ne prêchaient pas l'onction. Les apôtres ne prêchaient pas l'onction. Les apôtres ne prêchaient pas le leadership. Ils ne prêchaient pas ça. Ça, c'est une invention du 20e siècle. Et ils enseignaient Jésus. Jésus le sauveur. Jésus le miséricordieux. Jésus le Dieu vivant. Capable de sauver les gens. Ils élevaient ce nom-là. Non seulement ils le faisaient dans leur prédication, mais dans leur vie de tous les jours, les gens voyaient Jésus. Conséquence, écoutez la Bible. Beaucoup de miracles et de prodiges
se faisait par la main des apôtres. Pas par Talit. Je m'en excuse. Pas par Ephod. Non. Surtout pas par l'eau des Jourdains que les pasteurs vont chercher en Israël. Ah, regardez ce que les hommes de Dieu ont fait des Jourdains. Ce qui va vous énerver, attendez que Dieu vous donne une occasion d'aller en Israël et de regarder ce que vous appelez le fleuve Jourdain. Ça va vous énerver. Les petits enfants israéliens là, urinent là-dedans, ils font caca, mais c'est ce que les pasteurs prennent, viennent avec en Afrique. Pour un verre, $200, l'eau des Jourdains où on a baptisé Jésus. Une autre folie que j'ai vue, il y a des pasteurs qui ont été déjà baptisés chez nous. Ils arrivent en Israël, ils se font baptiser encore au Jourdain. C'est vous dire combien ils sont devenus fous. Un autre, lui, il amène la boisson sucrée qu'on appelle chez nous grenadine, qui a la couleur rouge. Il appelle ça le sang de Jésus. Une petite quantité comme ça, $250. Un commerçant vertébré, mais qu'on appelle apôtre de Jésus. Et je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de ces gens-là. Et leur première réaction, quand vous voulez douter d'eux, je vais te maudire. S'il y a quelqu'un que vous ne maudirez jamais, c'est Esdras. Même tous ces pasteurs-là réunis en session extraordinaire, pas en Afrique, mais aux États-Unis, tous réunis ensemble, jetant la malédiction, aucune ne me touchera. Qu'est-ce qu'un apôtre qui vend de l'eau devant moi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, il faut. Vous savez, on ne joue pas avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne vend jamais. Jamais la grâce de Dieu. Jamais. L'homme de Dieu véritable ne vendra jamais la grâce de Dieu. Matthieu 10, verset 8. La Bible dit, il vous a été donné gras. Donné aussi gras. Voilà. Ça vient d'où cette histoire ici? Ça vient d'où? Pour une prophétie, il faut $25. Pour une délivrance, il faut $45. J'ai dit à tous ces pasteurs, attendez-vous à être brûlés sérieusement. Il arrivera même que quand un ange demande, il manque une dent, on la recherche encore, on met là-dedans. Pour que tu apprennes à respecter Dieu. Là, vous régnez, puisqu'il n'y a personne qui vous inquiète. Qui va vous inquiéter? Tous les chrétiens tremblent avec vos enseignements-là. Vous les avez tellement cadrés dans la peur qu'il n'y a pas de réaction. Si nous voulons fermer la bouche à toutes les religions, mes amis, prenons à élever le nom de Jésus. Nous avons élevé nos églises. Nous avons élevé nos bâtiments. Nous avons élevé les hommes. Nous avons élevé... Mes amis, il ne manque que l'élévation de Jésus. C'est pourquoi l'église est faible. Dans l'église primitive, tout le monde était par terre. Seul le nom de Jésus était élevé. Jésus était adoré dans la vérité. Jésus était loué par tout le monde. Ce n'était pas une affaire des chrétiens. L'apôtre, lui, est assis comme un patron. Il ne peut même, il y a des hommes de Dieu qui ne peuvent même pas danser au nom du rang qu'ils ont acquis. Un homme est venu dans mon église, il m'a trouvé en train de pleurer là. J'étais par terre en train de pleurer. Nous allons au bureau, il m'appelle, il me dit, Esdras, tu restes dans le même système. Tu pleures devant les enfants comme un petit. Hein? Tu ne respectes pas ton onction. Je lui ai dit, voilà la folie. Je comprends pourquoi vous tombez. Toi, qui es-tu, toi, pour ne pas danser pour Jésus? Qui es-tu? Montre-moi quel est le contrat que vous avez fait avec Jésus, où il t'a dit que le jour où tu vas atteindre un certain rang, tu ne peux pas pleurer devant moi.
Tu ne peux pas te gêner. Voilà les choses qui tuent les pasteurs. Jésus n'est pas votre ami, hein? Il ne le sera jamais. Jamais, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Apprenez à vous à descendre. Par exemple, ce que j'ai trouvé avec votre pasteur ici, il entonne des cantiques. Chez nous, on appelle ça le rôle des enfants de l'église. Ils appellent ça enfants de l'église. Chez nous, il ne peut pas faire ça. S'il fait ça, il est bon. Âme toi c'est. Donc, il n'a pas encore compris. Il n'est pas encore élevé. Il y en a même qui peuvent lui dire, mais David, comment tu t'abaisses comme ça? S'abaisser, c'est chanter pour Dieu. Regardez là où l'église est arrivée. Demande, écoutez, dans l'église primitive, hein, et les Pierre, et les Paul, et les Jean, les Marie, tous étaient. Quand la louange commence, c'est tout le monde. Il n'y a pas de représentants. On nous a détruits. Il y en a qui font même le gros dos dans la maison de Dieu. Et on dirait que Dieu est en train de se battre avec eux concernant l'honneur. Et nous avons tout gâté. Même les chants mettent les noms des gens dans la louange. Regardez dans votre Bible. Il y a à peu près deux grands livres des chants. Ce sont les livres des chansons de Dieu. Il y a psaume. Oui. Il y a cantique des cantiques. Il y a une partie des louanges. Il y a même le livre, certains livres de Moïse, où il y a des chants. Marie a chanté avec un tambourin. Moïse a chanté. Montrez-moi dans ces chansons-là le nom d'un homme. Mais nous, on ne respire pas au Congo. Peut-être chez vous, vous êtes bien. Au Congo, une chanson de Dieu ne peut pas faire une seconde sans qu'il y ait le nom de quelqu'un. Lui-même, il a des difficultés. D'abord, le thème qu'il chante là, il ne maîtrise pas ça. Au lieu de dire Caïphe, ou Pilate plutôt, a écrit ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Lui, il dit c'est Hérode qui a dit ça dans une chanson. Quelqu'un a chanté ça comme ça au Congo. Et la chanson n'a même pas encore fait 2 minutes. Il commence déjà à citer les noms des magasins, des pharmacies, des députés. Et pourtant, David aussi était chanteur. Dans aucune de ses chansons, vous ne verrez David en train de chanter pour Dieu dans les psaumes. Il arrive au milieu là, il dit, je salue en passant le prophète Nathan, l'homme de feu, l'homme de la gloire. Jamais! Il y a même un pasteur chez nous qui a suspendu toute une chorale. Pourquoi? Parce qu'il a sorti un album sans être cité. Son nom n'a pas été cité, il a suspendu. Regardez là où on nous amène. Voilà les choses qui font qu'il y a moins de miracles. Ce qu'on appelle miracle, là, ce sont des histoires bricolées, hein, des histoires arrangées. On paye quelqu'un de l'argent, on dit, bon, tu viendras dire que tu avais une jambe paralysée. Et puis, quand le paiement ne suit pas, la personne retourne la casaque. Oh non, tout ce que j'avais dit était faux. Le pasteur a menti. Moi, j'ai toujours été normal. Dans ce quartier, tout le monde me connaît. Si tout le monde te connaît, maintenant, pourquoi tu nous as dit que tu étais handicapé? Ben, le pasteur n'a pas payé. Vous voyez? Ils ont besoin de miracles. Mais ils oublient ce qui fait la force des miracles. Je sais que tous les pasteurs rêvent d'un ministère puissant. Un ministère où les morts ressuscitent. Mes amis, ça a un prix. Il faut élever réellement. Pas dans le mensonge. Pas dans le mensonge. Nous ne voyons plus de miracles aujourd'hui. Vous savez que même à l'époque de David, il avait fait aussi le même constat. À un certain moment de sa vie, à une certaine époque d'Israël, ayant lâché l'élévation de Dieu, ils ont vécu des choses pas très très bonnes. Regardez, lorsque on n'élève pas Jésus comme il faut, qu'est-ce qui arrive dans le peuple?
Psaume 74. Rapidement, mon frère. Hein? Nous sommes à la fin. Psaume 74, vous écrivez, hein? De 1 à 20. Mais on ne va pas lire tout ça. Je vais vous montrer une chose. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Ah, première chose, quand on n'élève pas Jésus, on est rejeté. Écoutez les conséquences lorsque Jésus n'est pas élevé quelque part. Continuez. Pourquoi t'irrites-tu contre les troupeaux de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois. Que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Verset 3. Porte tes pas vers les cellules constamment dévastées. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. L'ennemi a fait quoi? A tout ravagé. Il a tout ravagé où? Dans le sanctuaire. Dans les sanctuaires. Quand Jésus-Christ n'est pas élevé, l'ennemi va tout ravager dans le sanctuaire. Ça, c'est la toute première grande conséquence. Lorsque Jésus-Christ n'est pas élevé, l'ennemi va entrer dans le sanctuaire et il va tout saccager. C'est comme cette époque où l'ennemi a tout saccagé. Il a mis l'église sans dessous, sans dessus. Nous ne savons pas qui est vrai, qui est faux. Nous ne savons pas dans quelle église entrer, dans quelle église sortir. Tout est dans le tohu-bohu total. Tantôt celui-ci dit je suis prophète majeur, l'autre dit prophète mineur. On ne sait pas maintenant qui est mineur, qui est. Mes amis, l'ennemi a tout ravagé dans l'église du réveil. Les hommes de Dieu entrent maintenant avec des cannes. Et tout devient prophétique. Cannes prophétiques. Soutane prophétique. Nappe prophétique. Barbe prophétique. Il ne reste que sexe prophétique. Ils ont tout rendu prophétique. Qu'est-ce que vous allez faire? Même des bagues prophétiques. Bisous prophétiques. Pourquoi pas tire langue prophétique? Vous ne voyez pas sur Facebook un pasteur qui guérit une femme d'autrui avec un tire langue profond. Même le protocole est obligé d'avaler la salive en regardant comment Daddy est en train de manger la langue. Vous avez vu ça? Ne faites pas semblant. Au Ghana, vous avez vu cette église? Où on entre en slip prophétique, cinglé, prophétique. Tout est prophétique. Et tous les coups sont permis. L'ennemi est entré, il a tout ravagé. Papa, verset 4. Écoutez les conséquences. Hein? Premièrement, l'ennemi ravage le sang, le sanctuaire. Puisque Jésus-Christ n'est pas élevé. Verset 4. Verset 4. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Et ils ont établi pour signe. Leur signe. Et conséquence, continuez. Le verset 5, on les a vus pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Verset 7, ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ah, Mikolo, yo, moto et pelina katia église. Avec des ministères apostoliques, ministères prophétiques, le ministère, il y a toutes sortes de bandes. Il y a des moments où tu te demandes quelle est la vraie église où entrer. Et c'est quel homme de Dieu vrai où aller. Parce que quand vous allez vers celui-ci, il est spécialisé en demande d'argent. Vous allez chez l'autre, lui c'est le sexe. Dès que tu entres, dès que tu es une femme, il fait brrr. Le Seigneur m'a dit, ma fille,
descend ta culotte. Puisque un ange spécial est en train de descendre. Avec quelle onction, ma soeur? Et quand il remarque que tu doutes, hein, il dit, enlève les doutes, sinon tu seras frappé comme Ananias. Tu iras où? L'ennemi a mis le feu. Et puis écoutez, il est dit, nous ne voyons plus nos signes. Il y a un verset où il a dit, l'ennemi a remplacé nos signes par ses signes. Est-ce que tu as retrouvé ça, mon ami? Oui. Lis ça. Le verset 4, tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple, ils ont établi pour signe leur signe. Ils ont établi pour signe leur signe. Mais il n'a pas lu. Il y a un autre verset où, toujours dans ce verset-là, on dit, nous ne voyons plus nos signes. On ne voit plus de miracles. On ne voit plus de résurrection des morts. On ne voit plus de délivrance. Où sont les délivrances des sorciers, par exemple? Quelqu'un qui a touché à des fétiches, il est dépassé. Il se dit, où est-ce que j'irai? Il va à l'église et Jésus-Christ le sauve. Il n'y en a plus. Toujours des scénarios. Quand vous m'invitez comme ça, je m'arrange pour prendre dans mon taxi des jeunes filles qui me connaissent bien de mon église. J'entre avec eux et je leur dis d'avance, hein, vous allez vous asseoir à des endroits différents. Et quand il arrive vers la fin, il commence soi-disant son service. C'est toujours ces atalagos qu'il a amenés là qui entrent en transe. Hic, il dit, voilà, le Seigneur est en train d'agir. Le mouvement de l'esprit est là. Et puis, il y a une deuxième ici qui commence. Une voleuse qui est déjà en connivence avec moi. Et comme vous ne connaissez pas qu'ils font partie de mon église. Non, pasteur. Le pasteur a l'onction. Alors qu'il s'agit d'une machination de haut niveau. C'est ce que les gens appellent. On ne voit plus nos signes. Et ça me fait mal. Mes amis, vous ne savez pas combien j'admire les vrais miracles. Combien je cours derrière les guérisons, les véritables. Jésus, donne à cette église l'occasion, pendant que j'enseigne, de vivre des vrais miracles. Des vraies guérisons. Zambe, bon, bangona nguya. Seigneur, que tu l'aies. Il le fera. Yes. Je te l'ai dit, tu vas vivre. Si vous êtes stérile ici, la puissance de Dieu va ouvrir votre ventre. Amen. Si vous êtes sérieux et que vous êtes en attente d'une certaine opportunité, soit des papiers officiels, le Seigneur va intervenir. Yes. Je vous dis. Si vous êtes malade, vous êtes dérangé par le cancer, vous êtes dérangé par la blénorragie, vous avez des maladies sexuellement transmissibles, Jésus va vous guérir. Amen. Je crois dur comme fer que nous allons voir nos signes. L'ennemi a remplacé les signes de Dieu par ses signes. Ces signes, c'est quoi? Les malédictions. Ces signes, c'est quoi? Des célibats injustifiés. Et injustifiable. Une fille jolie comme toi, avec une proéminence des bassins comme les hommes le cherchent, sans chirurgie, sans être touchée, tu as ce qu'on appelle bio. Mais malgré tes bio là, ça pourrit. Personne ne s'intéresse. Ou s'il y en a, c'est pour goûter partir. Tu es devenu l'objet d'un certain prédicateur, goûteur de l'Afrique. Vous savez comment cet homme prêche qu'il faut goûter les femmes. Et il a une foule derrière lui. Et les hommes ont envie de goûter. Et il goûte. Hein? Tantôt il va chez la sœur qui chante, il goûte. C'est pas bon. Et vous, sœurs,
Quand est-ce que vous serez toujours goûté? Quel est le jour où vous allez atterrir dans votre mariage? Quand vous êtes avec quelqu'un, soi-disant qui vous aime, et qui a appel, il y a sonnerie, tu lui demandes, qui appelle? Il dit, c'est madame. Maintenant, vous êtes qui? Modom. Et vous n'avez pas honte, vous dites, parle un peu bas, hein? Coupe. Coupe, non. Lui, il vous dit, c'est madame, c'est madame. Tu vois que tu es ridicule, non? Mais ce qui m'étonne, c'est qu'après l'appel, vous continuez. S'il n'y a pas bête, il y a quoi? Donne-moi un vocabulaire. Parce que si c'est moi-même qui le dis, tu me diras, il m'a injurié. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Papa, mon hier, au Toulata en Afrique, parce que moi, je veux m'en récupérer les allées. Mais la Turquie. Hein. On est debout, soyez debout, debout, debout. Debout. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Tu n'as pas bien acclamé Jésus, acclame bien. Allez, les bonnes acclamations pour le Seigneur Jésus. Pendant que tu acclames, tu bénis le Seigneur pour un bon message. Pour un message puissant et poignant. Un message qui relève ta vraie foi. Nous sommes en train de bénir le Seigneur. Dis, Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, je te dis merci pour ce message. Allons-y ensemble. Commence à dire, Jordi, sois là au piano. Dis merci au Seigneur. Dis-le de bonne manière. Allons-y. Je me rends dans la voix de tout le monde. Tout le monde, s'il vous plaît. Soyons debout, je vous en prie. C'est Sundalon, nous sommes debout. Parle au Seigneur, dis-lui merci. Merci Jésus. Merci mon roi, merci. Tu m'aimes, c'est pour ça que tu me parles. C'est par amour que tu m'as parlé, Jésus. Merci Seigneur. Aïe, Yahweh Sunga, aïe. Sunga ngaye, awe sunga ngaye, ngaye mokuna. Je demande ton aide, Seigneur Jésus. Cherche, Seigneur, ta volonté, faire des choses qui te plaisent, au Seigneur Jésus. Yahweh sunga ngaye, sunga ngaye, sunga ngaye. Est-ce que tu peux demander l'aide du Seigneur? Je n'arriverai pas par moi-même, Seigneur, je vais m'en donner aujourd'hui. Je vais aller au ciel, Seigneur, vivre une vie qui est agréable à Dieu. Je demande l'aide de Dieu, Seigneur. L'aide de Dieu, Seigneur. Que je me relève, que je puisse me relever. Je veux me relever, je veux me relever. Sunga ngaye, sunga ngaye, sunga ngaye, sunga ngaye, ngai moko na kokite yawe, sunga ngaye, ngai moko na kokite. Au nom de Jésus. Merci, nous sommes tous debout, même les musiciens. Arrête la musique, élève ta main droite, c'est une prière seule que nous allons faire ce soir. Dis au nom de Jésus. Avec conviction, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À haute voix, dit au nom de Jésus.
Je déclare ce soir, je déclare ce soir ces anciennes habitudes, ces anciens péchés qui m'ont dominé hier, ce soir, par l'onction de Dieu, par ce message que j'ai écouté, je déclare ce soir, ces choses ne me domineront plus jamais. Ces choses ne me contrôleront plus jamais. Au nom puissant de Jésus, commence à prier, fais le saint ta prière. Le péché ne me dominera plus, le mal ne me dominera plus. L'iniquité ne me dominera plus. Je refuse le contrôle. Ces choses qui m'ont dominé ne me domineront plus, Seigneur. Ces choses, Seigneur, ce mal, Seigneur, ce péché, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Laissez le piano. Je m'entends de toute la voix de tout le monde. Et tu le dis à haute voix. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 24. Je le dis Romains chapitre 7. Le verset 25. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché? Gloire soit rendue à Jésus. Celui qui nous délivre du corps du péché, c'est le Seigneur Jésus. Il te donne la victoire et le péché ne te domine plus. Que Jésus soit élevé, afin qu'un autre ne soit plus élevé. Je vais préciser afin que le mensonge ne soit plus élevé, afin que la colère ne soit plus élevée. Lève bien la main droite avec moi. Je ne vois pas ta main droite élevée. Je t'aide à bien prier. Je vais tout simplement t'accompagner dans la prière. Juste, Jésus. Le mal que je ne vais pas faire, je me retrouve en train de faire. Le bien que je fais, je n'arrive pas. Qui me délivrera, ces corps et pécheurs? Je connais la parole de Dieu. Je peux écouter les messages comme ça. Je rentre encore dans la boue. J'écoute un tel message, je rentre encore dormir dans la même position où je suis sorti. Je ne prends pas la décision de quitter la maison en question. C'est s'habituer. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans ma vie et dans mon corps, que Jésus soit élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans ma vie et dans mon corps, je prends la décision d'élever uniquement que Jésus-Christ. Au nom de Jésus, fais le temps à prier au nom de Jésus. Que notre ne soit pas élevé seulement Jésus. Que notre ne soit pas élevé seulement Jésus. Que notre ne soit pas élevé seulement Jésus. Je vais élever le nom de Jésus dans ma vie. Uniquement Jésus sera élevé dans ma vie. Uniquement Jésus sera élevé dans ma vie. Dans mon corps. Dans mon corps. Dans mon corps ne sera pas la maison des démons. Mon corps ne sera pas la maison des démons. Mon corps ne sera pas la maison des démons. Le corps de Pacha ne sera pas la maison des démons. Je refuse. Je refuse. Mon corps. Mon corps. Mon corps. Mon corps ne sera pas la maison des démons. Mon corps ne sera pas la maison des démons. Mon corps ne sera pas la maison des démons. Mon corps ne sera pas la maison des démons. Mon corps ne sera pas la maison de masturbation. Mon corps ne sera pas la maison de masturbation. Mon corps ne sera pas la maison de couche de nuit. Mon corps ne sera pas la maison de pornographie. Mon corps ne sera pas la maison. Mon corps ne sera pas une corps. Mon corps. Mon corps. Mon corps. Mon corps.
Que Jésus soit élevé dans mon corps. Que Jésus soit élevé dans mon corps. Que Jésus soit élevé. Je décide d'élever Jésus. Je décide d'élever Jésus. Je décide d'élever Jésus. Que soit. Je décide d'élever Jésus. Je décide d'élever Jésus. Je décide d'élever Jésus. Jésus, Jésus. Dans mon corps, Jésus. Au nom de Jésus. Que Jésus soit élevé dans mon corps. Que Jésus soit élevé dans mes pensées. Que Jésus soit élevé dans ma vie. Que Jésus soit élevé dans mon corps. Na pongi nanga Yesu. Na nyoso na sala Yesu. Na nyoso nanga Yesu. Na tomboli Yesu na nzoto na ngai. Na pongi bandoto na ngai. Na tomboli Yesu. Na nyati couche de nuit. Na nyati basi ya butu. Na tomboli Yesu. Yesu na nzoto na ngai. Yesu, Yesu. Sois élevé Jésus dans mes pensées. Sois élevé dans mes pensées. Na bandoto na ngai ku mama. Oh non, Jésus-Christ. Le Dieu de ce message te délivre au nom de Jésus. Amen. Le Dieu de Papa Esdras t'affranchit au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. J'ai prié pour 20 personnes. Je l'ai promis et je le ferai jusqu'au dernier jour. Tu as apporté une offrande de 100 liras. Et je vais déclarer une parole de bénédiction sur ta vie. Je le fais et je te connecte pendant ces 5 jours qui restent pour clôturer ce programme. Et tant que ton berger, je sais ce que Dieu a préparé pour toi. Apporte cela comme un point de contact. Que la première personne, je vais déclarer une parole de prière. Viens. Nyayakwepe Yesu wani, nyayakwepe Babulo batatulu kunzambi wanye Yo, wangani wani kunga ya papa wani Zagwa moye. Il reste 9 personnes, venez rapidement. C'est une offrande, mais qui te bénit, te connaît parce que veut déclarer ses paroles dans ta vie. Est-ce que tu peux venir rapidement? Une offrande de 100 liras. Pendant que les autres hésitent, toi tu viens avec une offrande de 50 liras. J'ai déclaré des paroles sur ta vie. Viens rapidement. Que la faveur et la bénédiction de Dieu prennent corps dans ta vie. Viens rapidement. Bablo batatulu kunzambi wanye Yo Wangani wani kunga ya papa wani Zabwa moye Jena ni kunga kunga ya mema webe Ungana munitu Ukwatishe Ukwatishe Ukwatishe. Alors porte ton offrande, ce que tu as préparé pour donner à Dieu. Que ce soit 1 lira, tout ce que tu as préparé, 20 lira, 50, 30 lira, 200 lira, porte cela. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre de vous, s'il vous plaît? Merci, papa. Merci. Merci infiniment pour ce message. Merci. Alors, demain, s'il vous plaît, que tous ceux qui sont là ne manquent pas. Hein, frère Gino? Évêque, tu as béni. Que tous ceux qui sont là ne manquent pas. Tous. J'ai vu vos visages. Que personne ne manque. J'aimerais qu'il y ait
plus nous avançons, plus nous devons être nombreux. Assit a besoin de ça. Connaissez le troisième pilier de l'église Assit. Ça repose sur la sanctification. La foi, la prière et la sanctification. Merci. C'était aujourd'hui que nous devrions remettre les enveloppes de papa Poi, parce que vendredi à 12h, il va prendre le vol vers la Hollande. J'ai tout fait. J'ai négocié pour qu'il reste jusqu'à dimanche, mais l'église a besoin de lui. Il avait laissé les prédicateurs pour 2 dimanches, pas pour 3 dimanches. Donc avec regret, on va le laisser aller travailler encore en Hollande, parce que la Hollande aussi a besoin de lui, comme la Turquie a bénéficié. Venez rapidement, s'il vous plaît. Venez déposer dans ce panier, vous tous. C'était minimum 20 dollars, mais quand Maman Grâce compte, il voit qu'il y a d'autres qui mettent l'argent qui n'existe pas en Turquie. Azerbaïdjan, je vis le monnaie d'Azerbaïdjan. Soyez bénis. La récompense de papa soit votre récompense au nom de Jésus. Que la récompense de papa soit aussi votre récompense. La récompense de papa dans vos vies. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Maman Claudia. La récompense de papa soit votre... Ah, ok, merci beaucoup. Que la récompense de papa soit votre récompense. Maman Godet, s'il te plaît, tu peux aider papa à prendre son enveloppe, s'il vous plaît. Je vois comme si Glory est partie derrière. Merci beaucoup. Wow. J'aime beaucoup l'église assise. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Je suis combien? Fleur de vous. Merci beaucoup. Tata évêque. Que Dieu bénisse. Ça, c'est pour papa. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas remis son enveloppe? Ce n'est qu'à... C'est maintenant qu'on remet, c'est le dernier jour. Vous n'avez pas remis comment? Demain. Ah. Dès qu'il ne fait pas moto, on peut aller descendre dans le lobby. Église, alléluia. Tout à l'heure, moi j'ai fondu en larmes à écouter cet homme de Dieu prêcher la parole. C'est ce qui devait être notre attitude à tous. Face à une parole comme celle-ci, c'est une parole qui doit nous amener à une repentance sincère. Arrêtons de jouer avec les choses de Dieu. Le Seigneur a sérieusement besoin de nous. Le Seigneur compte sur toi et sur moi pour apporter le réveil, notre sérieux. Je suis très béni. Pasteur David, je voudrais te dire merci de m'avoir convié à prendre part à ce programme. J'ai compris que la finalité, c'était de rencontrer cet homme. Je l'ai vu, je pressentais qu'il allait habiter à côté de ma chambre à l'hôtel. Exactement, c'est ce qui est arrivé. Quand je sors, je le vois. Sans qu'il me connaisse, j'ai sauté à son cou, je l'ai embrassé. Et quand
quand il va voir le pasteur David, il dit, mais j'ai rencontré un homme qui est sauté à mon cou avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie. Église, alléluia. Je suis content d'être passé parmi vous. Et je passerai toujours encore. Mais ce que je veux demander à l'église, demain je serai encore là. Vous savez, quand j'ai fini de prêcher et que l'homme de Dieu venait, à partir de chez moi, j'ai dit, Seigneur, moi j'ai donné ce que je devais donner, mais aujourd'hui, je parle pour que toi aussi tu m'enseignes. Et je bénis le Seigneur parce que je suis enseigné. Demain je serai encore là. Je veux que tu dises à ceux qui ne sont pas encore là, ou à toi qui es venu ce soir, demain ne manque pas. Viens encore. La plus grande richesse dont tu as besoin, c'est cette parole que tu entends. Alors je voudrais vous dire merci de nous avoir considérés dans vos cœurs. Amen. Je vais prier en votre faveur. Les dieux de la Bible, merci pour cette église. Merci pour mes frères et mes sœurs qui m'ont reçu avec joie. Seigneur, parmi eux, de la même manière, ils sont en train de recevoir ton serviteur, Papa Esdras. Merci pour Pasteur David. Merci pour tous les hommes de Dieu et les staffs de l'église. Seigneur, je n'ai rien exigé. Mais du moins, ce que j'ai reçu, c'est ce que tu as voulu à ce que tu puisses me donner au travers d'eux. J'élève ma voix vers toi. Je te prie, les dieux de toute bénédiction, Seigneur, de bénir chacun d'eux. Je bénis chaque membre de cette église. Seigneur, qui m'a apporté son offrande, qui m'a donné à boire, Seigneur, qui m'a donné à manger. Les protocoles qui me conduit dans ma chambre d'hôtel. La sœur qui prépare pour nous à manger. Seigneur, cette sœur-là, oui, chacun de tous ceux qui nous ont honorés en tant que tes serviteurs, nous n'avons rien demandé. Mais l'amour de Dieu dans leur cœur a fait qu'ils pensent à nous. Seigneur, je bénis cette église. Je bénis ma sœur, je bénis mon frère. Tu n'as de compte à rendre à personne. Je prie que tu te souviennes de chacun. Dans sa maison, dans sa santé, dans son travail. Seigneur, dans tous les domaines de vos vies, que Dieu vous visite. Soyez bénis avec la bénédiction de Dieu. Au nom de Christ Jésus. Amen.